Mais la première des choses qui m'a mis la pression de se connecter, il y avait un bain de sang au Burkina. Un bain de sang au Burkina. Je voudrais que dès demain, nous prenons un jour de jeûne pour le Burkina. Car la surprise, nous pouvons être surpris au Burkina. Et je voudrais me tenir et déclarer sur l'alliance que j'ai avec le Seigneur, sur la puissance qui est déposée sur moi, sur les paroles que Dieu a mises dans ma bouche, que tout ce que je sortirai en ce lieu soit exécuté par l'ordre céleste. Car Ibrahim Traoré est en danger. Un grand complot qui s'élève contre Ibrahim Traoré et qui ne viendra pas de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire sera menacée, sera dans le complot, mais ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, comme ils ont compris que on a détecté que le président Alassane est dans le coup, il veut à tout prix renverser Ibrahim Traoré. Là, maintenant, il y a un grand complot qui s'élève dans un autre pays pour déstabiliser le Niger, pour déstabiliser Ibrahim Traoré et pour déstabiliser le Mali. Et ça ne viendra pas de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a la main dessus. Donc, Alassane a la main dessus, mais ils ont préféré aller organiser, à l'heure actuelle où je vous parle, je vois une formation des hommes qu'on a recrutés, on est en train de les former, et le coût est tellement, et les espions sont encore au Burkina, Niger et Mali. Et pour le président Ibrahim Traoré, l'ordre qu'on a donné, c'est de l'assassiner immédiatement. Immédiatement, 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 Ibrahim Traoré. L'assaut qu'on a lancé sur lui, c'est de l'assassiner immédiatement. Et pendant que je vous parle, ces gens sont nourris, logés, vêtis. Et j'entends formation pour la déstabilisation du Burkina. Et ils sont, oui, les pays de l'AS. Voilà, c'est ça, vous me donnez le nom. Oui, donc. Et sur ce coup, ils savent qu'ils vont réussir. Mais je me tiens. Mais sur ce coup, je me tiens sur l'alliance que j'ai avec mon père. Père, c'est sous pression que je suis venu là, de peur qu'il ne soit tard. De peur qu'il ne soit tard. Au nom de Jésus, je lève ma main. Je lève ma voix, je lève mon épée, je déclare au nom de Jésus que ces trois présidents soient encerclés par le feu. Et je relâche les anges célestes pour leur sécurité. Et je déclare maintenant le manteau que je porte les couvre, la main de Dieu les couvre, la main de protection les couvre. Que le ciel soit en alerte de tout ce qui se passera. Et je déclare maintenant que leurs espions soient dévoilés. Quiconque se lève contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, soit frappé de mort. Je déclare maintenant, vos adversaires perdront le combat. Vos adversaires seront dévoilés. Les complots contre vous seront dévoilés. Les clans derrière seront dévoilés. Je crée maintenant la confusion dans leur camp. Je déclare maintenant, à l'heure actuelle où je parle, que les ennemis de l'AS rentrent dans la confusion totale, qui s'explosent, qui se détruisent. Je déclare entre eux-mêmes qu'il n'y ait plus l'entente, qu'on dévoile tous leurs plans et tous leurs jeux au nom de Jésus. Et je prie afin que les chaînes célestes
descend sur eux tous. Et cette prière est scellée dans le sang de Jésus. Aucun d'eux ne pourra révoquer cette prière. Le monde satanique ne pourra pas révoquer. Le monde diabolique ne pourra pas révoquer. Il ne pourra pas révoquer. Je déclare les chaînes célestes, ils descendent du ciel, liés complètement. Que vos ennemis soient liés maintenant. Que vos ennemis soient liés. Quiconque avance, quiconque le Burkina, les chaînes descendent sur lui. Contre la vie d'Ibrahim Traoré, les chaînes descendent sur lui. Contre la vie de Assimi Goïta, les chaînes descendent sur lui. Contre la vie de... Le président du Niger, les chaînes descendent sur lui au nom de Jésus. Il ne comprendra pas d'où est venue sa chute. Et je déclare maintenant, tous vos appareils pour combattre, déclare, je fais tomber en panne. Je mets tous vos appareils en panne au nom de Jésus. Quand vous serez sous l'assaut, quand vous lancez l'assaut, vos appareils n'exécutent plus, vos appareils n'obéissent plus, vos appareils ne marchent plus au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont réunis contre ces trois pays, je déclare, venant de l'ordre mondial, car le complot vient de l'ordre mondial. Ils sont tous au courant. Et beaucoup de pays africains sont contre ces trois pays. Et que vous ignorez, je dis beaucoup de pays africains sont dans le coup. Ils sont au courant de ce qui se passe. Et je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, vous êtes tous dévoilés et voilés par le nom de Dieu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Ça me tenait à cœur. Et vous, nous avons une journée demain pour prier pour la vie du président Ibrahim Traoré. J'aime tellement cet homme. Je l'aime tellement. Je l'aime beaucoup. Quand Dieu m'a montré, je tremblais comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, tu vas me le protéger. Tu m'as dit, tu m'as promis que tout ce que je déclare là, tu vas faire. Tu vas faire. Tu m'as promis que comme je mets ma vie là, tu ne vas pas jouer avec. Tu m'as promis, Seigneur. Tu ne permettras pas que quelque chose arrive à ces trois pays-là. Vous allez verser le sang qu'on a déclaré au Burkina, je retire. Le sang qu'on a déclaré au Mali, je retire. Le sang qu'on a déclaré au Niger, je retire au nom de Jésus. Hey, vous restez comme ça, vous êtes derrière vous complètement. Comment vous allez tuer les présidents-là? Juste parce qu'ils ont donné un peu le sommeil au peuple africain. Juste parce qu'ils ont donné un peu le sourire dans leur discours au peuple africain. Mais c'est fini pour vous. Alors, voilà ce que j'avais à dire concernant le Burkina. Donc, je demande au président burkinabé d'être alerté, le président Niger d'être alerté, le président Assimi Goïta d'être alerté, que les antennes soient debout. Et mon Dieu va pousser vos ennemis entre vos mains. Leurs plans seront tous dévoilés. Aucun n'entrera à la présidente pour vous assassiner, comme ils ont assassiné vos frères. J'ai dit, aucun ne pourra pas. Ils savent que je suis en train de parler. Ils connaissent que je suis debout. Ils savent que j'ai vu. Et quand je vois leur plan est bafoué, le monde satanique est dans les problèmes. Oui, parce que vous ne comprenez pas ce qui est dans cette histoire. Quand les présidents africains tombent là, les faux pasteurs sont d'accord. Ibrahim Traoré, s'il tombe là, le sang, Mamadou Karamiri sera content comme ça là. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. J'ai fait ça, maman. Je laisse le reste.